un contexte qui a été marqué par de très fortes tensions sur les prix agricoles, qu'il s'agisse des prix des produits végétaux, mais aussi des prix des produits animaux, on est obligé de constater qu'au stade du consommateur, les prix ont été relativement stables, ce qui s'est traduit, bien entendu, par un tassement et un amortissement au niveau des marges de l'industrie et de la distribution. La part agricole du panier alimentaire des ménages, elle représente 30%. C'est même encore plus faible si je raisonnais en valeur ajoutée, mais grossièrement, dans le panier alimentaire des ménages, il y a 30% de produits agricoles, il y a 30% de transformation de ces produits agricoles, il y a 30% de distribution, de logistique, etc. Et il y a 10% pour l'État au travers des taxes. L'intérêt des travaux de l'Observatoire, c'est d'être un outil de transparence. Et c'est de sortir un petit peu des idées reçues concernant des marges qui seraient excessives à un endroit ou l'autre de la filière. Nous voyons dans la distribution qu'il y a des rayons sur lesquels les marges sont correctes, même parfois élevées, et qu'il y a des rayons où les marges nettes, je le répète, sont négatives. J'ai cité la boucherie, la marée, la boulangerie, à peine à l'équilibre si je prends les fruits et légumes. Il est clair que nous sommes arrivés, dans un certain nombre de cas, aux limites de l'exercice. On est dans des logiques de prix annuel en France pour la plupart des grands produits de l'industrie alimentaire. Il faut probablement aller plus dans le sens de clauses de revoyure, de manière à plus s'adapter, comme c'est le cas en Allemagne, où l'on constate justement, au niveau du consommateur, une beaucoup plus grande variabilité des prix. On peut presque dire qu'on vend à perte. La filière par excellence, c'est la viande bovine, sur laquelle pratiquement personne ne gagne d'argent, et en plus le consommateur a l'impression que le prix de son beefsteak est élevé. Le consommateur oublie simplement que jamais le morceau de viande à braiser, le morceau de pot-au-feu n'a été aussi bas.